cause qui me tient à cœur parce que oui, j'avais une belle carrière, mais la maladie étant arrivée dans ma vie. Mais quand on est artiste, on n'a pas de pension comme telle, et puis quand on n'est pas international, on n'a pas de fonds d'argent déjà prêt pour survivre à cette maladie-là. Et à Noël dernier, j'ai l'humilité de dire que j'ai demandé à la Saint-Vincent-de-Paul un panier de Noël. Et lorsque j'ai dit à la religieuse à qui j'ai parlé, je vais peut-être monter un spectacle prochainement au Centre national des arts, j'ai eu des propositions. Elle m'a dit, il faut que tu donnes à la Saint-Vincent-de-Paul, tu dois donner à la Saint-Vincent-de-Paul. Et ça s'est enchaîné comme ça. J'ai rencontré le président, M. Alain Talbot, et puis plein de gens se sont liés à nous. Et puis, en fin de compte, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai décidé de donner les profits à la Saint-Vincent-de-Paul parce que j'en ai moi-même bénéficié. Et si ça n'avait été deux, j'aurais eu un Noël avec une table de cuisine, mais sur laquelle il y aurait eu une chandelle et puis peut-être un craft dinner.